Yo les gens, c'est Quentin. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'avais envie de parler depuis quand même pas mal de temps. C'est la YouTube Money. Ça fait à peine un an que je suis sur YouTube, donc c'est pas non plus énorme. Et dès que j'ai dit à pas mal de personnes que j'étais sur YouTube, la première question qu'on m'a posée c'était c'est comment la YouTube Money. En mode, c'est la première chose qu'on recherche quand on se met sur YouTube. Après, évidemment, on va pas se le cacher, il y a énormément de youtubeurs qui monétisent leurs vidéos et c'est complètement leur droit. Perso, j'ai jamais monétisé mes vidéos et j'ai jamais touché ne serait-ce que l'ombre d'un centime sur YouTube. Je continue parce que c'est vraiment une passion. Enfin, j'ai l'impression que maintenant c'est carrément oublié, genre c'est même plus une option que ce soit une passion de parler à la caméra, de monter ses vidéos, de les foutre sur YouTube, de voir les réactions des gens s'il y en a. J'ai l'impression que ça n'existe pas dans la tête de certaines personnes. J'ai l'impression qu'elles se disent directement tu te mets sur YouTube c'est parce que t'as envie de te faire de l'argent et pour aucune autre raison valable. En fait, il faut arrêter de projeter sur les autres ce que soi-même on penserait. C'est pas parce que toi c'est pas ta passion, c'est pas un truc que tu kiffes de monter des vidéos, de faire des vidéos, de filmer des vidéos, tout ça, que chaque personne est comme toi. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le monde du multimédia, les images, les vidéos, les sons, etc. Et YouTube, ça regroupe tout ça, donc c'est normal qu'il y ait beaucoup de gens qui se mettent sur YouTube. Mais c'est justement ces personnes qui ne sont pas passionnées par le monde du multimédia qui n'arrivent pas à comprendre que des personnes puissent kiffer et se mettre sur YouTube, quoi. Après, il y a évidemment une autre catégorie de personnes qui se mettent sur YouTube, qui espèrent percer et qui espèrent toucher du bif. Et évidemment, il y a des personnes comme ça. J'essaie vraiment pas de faire le mec, en gros, c'est les autres qui ont tort et moi j'ai raison, ou... enfin non, plutôt j'ai pas tort. Mais perso, YouTube, je kiffe, c'est un vrai kiff. Le problème des personnes qui, justement, qui critiquent des personnes qui font des vidéos sur YouTube, les youtubeurs, en leur disant qu'ils cherchent juste à sortir du bif, c'est que parfois c'est des personnes qui, elles-mêmes, en fait, ont tellement le somme de pas oser se mettre sur YouTube, qui dévestent leur haine, leur mépris, leur aigreur. Enfin, ils sont, c'est des gens aigris, en fait, ces personnes-là, c'est triste, mais c'est comme ça. Ils osent pas franchir le cap parce que, perso, enfin, j'ai eu aucun problème avec mon entourage. Mes proches ils l'ont tous accepté, etc. Ils m'encouragent. Les gens à l'extérieur, enfin, qui étaient quand même dans mon entourage, on peut pas dire mon entourage, mais c'est des gens que je voyais quand j'allais en cours. Ils savaient qu'ils me saoulaient avec ça, mais je savais très bien faire la part des choses et je me disais qu'à la fin, bah, je les verrais plus, quoi. Et là, je les vois plus, je me porte très bien. Ces personnes qui osent pas se mettre sur YouTube parce qu'ils ont peur de se faire juger par les autres, il faut vous dire que s'ils vous critiquent pour vous critiquer, c'est pas des personnes que vous devez garder dans votre vie. C'est des personnes qui vont juste être des poisons, des personnes mauvaises. Et ces personnes-là, il faut même pas les garder dans votre vie. Il faut même pas vous forcer à les supporter dans votre vie. Ils vous apporteront rien à part de la critique, de la négativité, et vont vous faire vous remettre en question alors que vous avez rien à vous reprocher. Ces personnes-là, évidemment, donc il faut être conscient qu'on n'a pas toujours des bonnes personnes autour de soi, mais il faut juste, de toute façon, être conscient que peu importe quel domaine, là je parle de YouTube, mais peu importe quel domaine, là je suis une leçon de vie, mais en gros, à chaque fois que vous essaierez de vous élever vers le haut, vous élevez, ça suffit en fait, on s'élève pas vers le bas. Il y aura toujours des personnes pour vous casser le moral, ça c'est la jalousie, c'est humain en fait. Déverser sa frustration sur quelqu'un parce qu'elle essaye d'entreprendre quelque chose que toi tu n'aurais pas osé faire. C'est classique, il y en aura partout des gens comme ça. Faut pas vous dire je vais attendre d'être plus âgé pour me mettre sur YouTube parce que là maintenant je suis trop jeune, j'ose pas, j'ai pas encore les épaules. Il y aura quand même des gens quand vous serez plus âgé qui essaieront de vous rabaisser, quoi. Mais il faut justement être assez fort pour faire la part des choses et pour ignorer ces personnes-là. Je suis un peu éloigné là, là-bas c'était sur la YouTube Money. Mais bon ouais, pour dire au final que je ne touche rien avec YouTube, mais vraiment rien. Déjà pour pouvoir monétiser ces vidéos, je sais pas si vous saviez, mais il faut au moins 1000 abonnés sur sa chaîne. On est un peu loin. En vrai, c'est pas un problème. Moi, je fais YouTube parce que vraiment, vraiment, je kiffe. C'est un truc qui me passionne. La seule chose qui peut se mettre entre les vidéos et moi, c'est le temps. Mais il faut que les mentalités évoluent pour que justement les gens arrêtent de penser qu'un YouTuber, bah, systématiquement, il cherche à se faire un max de bif, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément une motivation première à l'argent. Tu peux faire ça par passion, c'est un loisir, un hobby comme un autre. Et de toute façon, au bout d'un moment, les personnes qui regardent tes vidéos, elles sont pas dupes. Quand tu le fais vraiment parce que c'est pour l'argent, ça se sent le plus souvent, tu bâcles un peu tes vidéos, t'écoutes pas les conseils et les remarques de ta communauté, tu t'es pas actif, tu essaies pas de proposer du nouveau contenu, tu pompes toutes les vidéos que tu peux trouver à droite à gauche. Ça pour moi c'est quelqu'un qui est pas motivé par YouTube. Tu pompes systématiquement les idées des autres à droite à gauche parce que t'as plus de motivation pour faire ce que tu fais, donc t'as plus de créativité. Et ça les gens ils vont le faire remarquer, donc c'est un peu, c'est dommage quoi. Il y a d'autres choses pour gagner de l'argent, il y a d'autres métiers heureusement. Donc voilà les gens, cette vidéo est terminée, je voulais juste un peu parler de la YouTube Money comme ça. Je voulais juste un peu rétablir certains points même si je me suis un peu écarté de la question de la YouTube Money, j'ai parlé, ça m'a fait du bien. J'espère que la vidéo vous a plu, lâchez un petit like si vous comprenez un peu ce que j'ai voulu vous dire. Si vous êtes d'accord c'est encore mieux. Et si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et à me suivre sur Instagram. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss.